Et salut à tous, c'est Solbou3, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Minecraft. Donc c'est l'épisode 1, saison 1. Donc je sais pas si je vais faire plusieurs saisons, on verra bien. Pour l'instant, on va se contenter de la saison 1. Faudrait que je mette un peu plus de son. Donc j'ai déjà créé le monde. Donc j'ai rien fait dessus. Vous allez voir que j'ai pas d'item ni rien. Donc c'est en train de charger. Il fait nuit parce que le temps que je fasse tout le truc. Il y a un zombie villageois. Ok, alors si je vois plusieurs zombies villageois, je ferai gaffe si jamais il y a un village pas loin, ça se trouve. Alors aussi, ce serait sympa si vous puissiez me dire comment on fait pour se mettre en F5, enfin comme sur un ordi, enfin. Avoir la vue différente. Par contre, il y a des petits lags au début quand j'apparais. Et ça se corrige juste après, mais ne vous inquiétez pas. Pour ce qui est de cela. Il y a un lapin qui est mort là. C'est pas possible. Ça a lagué. Oh, mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Je sais pas ce qui se passe. Ça a lagué. Donc je vais faire pause. Ah non, Minecraft va attendre. Je vais faire pause jusqu'à ce que ça sorte. Ok, voilà, donc ça marche. Là, je suis poursuivi par des zombies, du coup. Je vais prendre juste le lapin pour aller. Pas pour le bouffer. Hein. Donc. Voilà. Je vais me barrer très loin. Parce que dans le désert, ça grouille de mobs. Et du coup, dans le désert. Dans le désert, c'est rempli de mobs et ça, c'est ça qui est chiant. Tous les zombies vont me poursuivre, donc ça, je le sais. Quand même, la distance de vue d'un zombie sur toi est de 40 blocs. C'est quand même assez grand. Ok, les creepers n'ont même pas vu. C'est à la vista. Ça, par contre, il y a plein de creepers dans la salle, tu vois. Ça se trouve, c'est moi qui n'aurai pas de chance. Donc, bah, il n'y a pas de mob qui me suit là, j'espère. Non, bon, je vais creuser un peu de bois. Bon, enfin, pouvoir commencer notre petite survie. Oh. Dégage. Méchante fistille. Voilà. Non, je vais pas le dire. Elle est vraiment chiante cette araignée. Ce creeper aussi est très chiant. Ceci aussi, cette araignée est très chiante. Tout le monde est très chiant. Non.
Tinky Winky était très chiant. Sinon, j'entends ma soeur qui raconte de la merde. Elle est en mode de caca pot, tu sais ce qui lui arrive. Si elle est folle d'un coup là. Ok, je vais visiter cette grotte là. Je ne sais pas ce qu'il y a. Ok, il n'y a rien, merci. Ah, le jour se lève. Ça fait plaisir. Tous les mobs vont despawn et ça va un peu moins laguer. Regardez, à l'aube, le soleil se couche, la lune se couche, tandis que le soleil se lève. Les zombies vont cramer à l'aide du soleil. Saul, lui, se contente de marcher. En route pour un monde meilleur. En route pour la creusade du bois. Bon, bah pour l'instant, il faut qu'on fasse une poche ainsi qu'une hache. Enfin, la hache plus tard, pour l'instant, j'en ai pas trop besoin. Plutôt d'abord, en premier, une pioche, ça va être beaucoup plus important. J'entends un bébé zombie. Oh my god, je l'ai vu. Vas-y, barre-toi. Et j'ai vu un truc trop bizarre. Non, m'attaque pas. Saloupio. Non. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça a lagué. Non, ça va. Ok, ça relague. Oh oh, rip. Bon, bref. Ressuscité. Maintenant, je vais pouvoir faire une survie normale. Car maintenant, on est le jour. Il fallait juste qu'il fasse plus nuit. Le temps de pouvoir jouer normalement, en coupant des arbres normaux, pas des arbres de la savane. Par contre, ça fait chier qu'il pleuve, je vois pas autour de moi ce qu'il y a réellement. Je croyais qu'il a marché vers moi, par le prix d'araignée de la mer. Tiens, un arbre. Un arbre de la savane. Fanny, voyez, c'est le chant de la savane qui me tourmente depuis des semaines. Non, je déconne. Ça me fait penser à la musique du roi. Jean Mouloud va creuser du bois. Si c'est là, ça va. Merde, le bois est resté bloqué dans les feuilles. Ouais, je savais plus comment on disait. Du coup, j'étais perdu. Il y a encore du bois là-bas. Pensez à ramasser. Ça, j'en ai rien à foutre. Au revoir. Waouh. Ici, c'est rempli. Une grotte. Voyons voir qui est-il. Je vais pas y aller tout de suite vu que j'ai pas de pioche. Je serai bien dans la bouillasse. Parce que, oh, il y a du fer. Ça me fait plaisir. D'abord fabriquer tout ce bordel.
déjà récupéré assez de pierres pour faire un four. Après, on va voir la taille. Suivant la taille du filon de fer, je ferai certains outils et pas d'autres. D'abord, en premier, la pioche. Si j'ai assez, je ferai une épée. Épée en importance pour pas crever. Comme une merde. Parce que sans épée, bah en fait. Surtout dans ce Minecraft là. Hein, parce que dans ce Minecraft là, vu qu'on est en mode tactile, et bah j'ai hyper du mal à jouer en PvP. Faudrait que j'arrive à brancher ma manette sur. Sur le Minecraft. Hop. Je vais récupérer ça. Voici, il va falloir du charbon. Oui. Car ici, on ne cuit pas avec du bois. Je fais les choses normalement. Simplement. Ok, 5 toupies pour faire une pioche et une épée. C'est cool. Donc, je vais déjà me faire le four. Hop. Et aussi le coffre. Voilà. Comme ça, je vais foutre le coffre là. Le four là. Je vais poser mon fer. Est-ce que ça reste? Oui, ça reste dedans. Ok, c'est cool. Je vais foutre dans le coffre. Je vais y mettre mon bois. Et voilà. Bon, je vais aussi mettre ma pierre. Parce que ça me ferait chier de tout reminer. Génial, attends. Je laisse les bâtons. Ah merde, c'est vrai, je peux pas. Je suis obligé d'aller là-dedans pour faire mon tri. Hop, les bâtons pour faire des. Ah merde, j'ai où mon épée là? J'avais fait une épée. Non, vous êtes pas d'accord avec moi, non? J'ai fait une épée. Au pire, je vais en faire une. Je sais pas trop où elle est partie, mais bon. On a pu partir bien. Je comprends pas. Voilà. Tant pis. Là, je vais aller chercher du charbon. Tiens. Bah voilà. Qu'est-ce que je voulais. Ah non, non, je sais pas. Je vais gaspiller. Donc en off, je ferai les trucs les plus chiants. Genre, voilà. Je vais chercher du charbon. Donc je vais le miner tout à l'heure. Donc voilà, j'ai miné ce truc ainsi qu'un autre qui était plus par là-bas, là. Donc du coup, j'en ai 29. Ça me permettra de faire cuire mon fer, comme ça. Hop. Et je vais en mettre 2-3. Pour l'instant, je n'en ai pas trop besoin. Hop. Je vais dans construction. Comme ça, je vais faire des torches, comme ça. Hop. Ça, je vais aspecter mes bâtons. Je vais fermer une petite base ici, comme ça, tranquille. Je vais y mettre mon charbon. Hop. Et voilà. C'est reparti pour le ménage. Donc là. Attendez, je vais y aller voir vite fait si j'ai rien raté ou à l'inverse si j'ai raté des trucs. J'ai pas été voir par là, j'ai miné ce charbon là. Ah, c'était là, mais j'ai pas été voir là-bas. Ah, il fait jour, il y a du fer ou il y a rien? J'y reviendrai plus tard avec les trucs qu'il y a
avec mon stuff. Cette survie-là, je la sens bien. Tiens, c'est un mec. Regardez, il arrive en plus. Voilà. Je vais faire mes outils. Au pire, vu que j'ai envie de tout récupérer, je vais le péter. Ça ira tout. Je vais essayer de péter le four. Et ainsi que la table de craft. Comme ça, j'ai plus de pioche en bois. Si, encore. Ah, mais encore un petit bloc, je pense. Deux. Voilà, plus de pioche. On est à 16 minutes de tournage. Donc pour l'instant, ça va. Niveau temps, ça va bien. J'ai entendu un Enderman. Je vais faire gaffe quand même. Je déteste les Enderman. Ça, c'est mon mob préféré, par contre, je vous le dis. Mais je les déteste quand je les vois. Il me fiche la trouille. Salut les gars. Ok, il se fight. Ça, c'est cool. Ok, le zombie a gagné. Oh putain, l'Enderman, je l'ai vu. Toi, Jean Mouloud, tu dégages. Voilà, au revoir, ça c'est fait. Ça, je récupère les deux os. L'Enderman, on te regarde pas, t'es moche. Allez, cassé. Et je t'ai cassé. Pour l'instant, y'a rien. Allons voir par là. Et bien, moi je vous dis à plus. On se retrouve pour l'épisode 2. Je vais sauvegarder ici. Tiens, il y a du fer là-bas. J'irai le chercher. Si j'y pense. En attendant, vous pouvez mettre un pouce bleu si vous aimez très bien les survies Minecraft. Dites-moi dans les commentaires si vous en voulez toujours plus. Je vous dis ciao.